Bonjour, ici Béa de l'équipe créative Happy Little Fox. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec le mini-album que je viens de présenter ainsi que Magali sur les réseaux sociaux. J'avais envie de vous filmer un petit peu ce mini-album et vous montrer assez rapidement, mais en détail, les tampons que j'ai utilisés, puis les petites techniques toutes simples pour réaliser ce mini-album. Allez, c'est parti! Donc, je fais partie de l'équipe de Happy Little Fox depuis plusieurs mois maintenant et pour cette collection Portobello, j'ai eu un vrai coup de cœur. Bon, j'en ai un à chaque collection, mais vraiment cette collection me parlait. Elle est très féminine comme souvent, mais surtout elle possède énormément de petits mots, de tampons à voilà, qui ne manquent qu'à s'amuser avec eux. J'ai trouvé cette collection très ludique, très élégante. Le combo me parlait absolument. C'était une évidence pour moi de réaliser un mini-album. Alors, vous avez pu découvrir des cartes aussi, des petits duos de cartes que j'ai scrappés avec cette collection et d'autres à venir. Mais j'avais absolument envie de faire un mini-album. Pourquoi? Parce que chaque set de tampons vraiment me plaît énormément. J'avais envie de tous les utiliser. Pour être honnête avec vous, il n'y a qu'une seule planche que je n'ai pas utilisée, c'est celle-ci. Alors, non pas parce qu'elle est belle, elle est juste sublime, mais je la réserve pour d'autres réas. Sinon, j'ai utilisé toutes les planches. Donc, voilà pourquoi j'avais envie de vous montrer cet album assez complet. Alors, bien évidemment, si vous n'avez pas toutes les planches, vous voyez, chaque set est très complet en lui-même. Donc, vous pouvez déjà bien vous amuser avec une seule planche ou deux. La collection en comporte vraiment beaucoup. Allez, on y va. Donc, c'est un mini-album que j'ai créé. Donc, la structure avec un cardstock assez épais. Ensuite, j'ai recouvert donc la tranche avec un des papiers du kit. Pas un des papiers, un papier simili cuir. Donc, vous savez que Happy en propose dans chacune de ses collections. Donc, celui-ci, voilà, je l'ai utilisé pour la tranche et tout la couverture d'eau de mon mini. Le mini fait 18 cm de hauteur par 13 et la tranche doit faire 4,5. Côté intérieur de la structure, j'ai réalisé une structure en U avec 5 doubles pages. Allez, on y va pour la découverte. Alors, donc les papiers de la collection, je les ai également tous utilisés sauf une feuille, celle-ci. Alors, non, j'ai découpé une des fleurs quand même dans le mini, mais je ne l'ai pas utilisée en tant que telle. Alors, donc, je vous parlais donc d'avoir utilisé ce simili ici. Pour la couverture, j'ai utilisé le papier numéro 5 également. Donc, voici son verso. Vous voyez, donc le recto. Voilà, celui-ci, toute la couverture à cheval et puis l'intérieur. Ensuite, côté papier toujours, j'ai utilisé le numéro 2 de ce côté. Également de l'autre côté, j'ai utilisé beaucoup de petits mots, des bandes de papier complètes ou quasi. J'ai utilisé ici la plupart des étiquettes et des mots. J'ai utilisé le papier numéro 1, j'adore les papiers rayés. Et j'ai utilisé aussi plusieurs cartes et ici titre, étiquette titre du verso. Vous reconnaîtrez les cartes au fur et à mesure. J'ai bien sûr utilisé le sublime, sublime, sublime acétate de la collection. Un acétate très épais, vraiment magnifique, avec des mots, avec des motifs. Voilà, j'ai utilisé ce papier numéro 4.
j'ai utilisé ce très beau papier numéro 3 également. Et plusieurs cartes et étiquettes de son verso. C'est parti pour le mini-album en détail. Alors, donc, la couverture. Ici, il s'agit d'un tampon de l'une des planches, celle-ci. Donc, la planche Amour XXL. La voici. Un indispensable à avoir. La grande pince du set Bonheur à conserver, c'est celle-ci. Des dots. J'ai utilisé plusieurs fois dans mon mini des... Boum. Excusez-moi. Des flocons métallisés de la marque ID Swap. Vous en trouvez aussi chez la marque Nouveau. Donc coloris or. Et puis ici j'ai accroché, donc j'ai perforé le rond ici de la pince. Et ici en craft, il s'agit de ce set album de famille. Vous reconnaîtrez aussi les onglets ensuite. Et donc j'ai choisi le Lovely. Donc vous voyez, ça ne perfore pas, mais ça embosse le motif. On ouvre à l'intérieur, j'ai utilisé donc un des papiers et puis le reste de mon papier pour recouvrir l'intérieur. Mon premier feuillet, album de famille embossé. Donc vous avez ici album 2. J'ai associé le mot famille que j'ai coupé dans un des papiers du kit. Et puis vous verrez également tout au long de mon album. Des petits feuillages qui en fait ont été découpés dans ce bouquet de fleurs. Donc vous voyez les trois onglets ici qui font partie de ce set également. On ouvre et on découvre une page donc avec trois ronds perforés. Il s'agit de ce die trio de bulles. Voilà. Donc je les ai utilisés. Voilà. Alors j'ai mis ma page sur de la mousse 3D afin de faire ressortir mes titres et j'ai placé ici des matrices du set médaillon. Donc il s'agit de celui-ci. Précieux moment entre nous fait partie d'une planche de tampon. Utile. Précieux moment entre nous. Je ne trouve pas. Il se cache. Oui. Voilà. Il est à l'intérieur du cadre. Il s'agit de la planche échantillon. Ici une étiquette que j'ai adoré, adoré, adoré créer. Donc un de mes sept chouchous de la collection Portobello, la grande étiquette. Donc c'est une grande étiquette style cadre, avec des espaces déjà imprimés. Et puis vous avez des grands, des petits mots, vous avez des symboles, de quoi vraiment bien vous amuser. Donc c'est ce que j'ai fait avec ce set. Vous voyez. Avec des tampons en jaune, en noir. Alors, j'ai utilisé une Distress Oxide. J'ai utilisé la Fossilized Amber, qui était parfaite. Donc, vous voyez, XXL. Alors, XXL fait partie de cette planche. Vous avez le mot moment, happy, que je suis venue ensuite découper. Ça, c'est une petite étiquette du papier que je vous avais montré. Le cœur et l'étoile jaune font partie de la même planche. La définition famille, elle fait partie de la planche This Is Us, ici. Voilà. À droite, une des fleurs donc, que je vous disais découpée dans ce papier. Une petite bannière Love, encore un onglet. Le transparent, voilà, j'ai fait une petite mise en scène, donc une page très très clean en dessous, avec quelques petites décos, hein, des papiers, ici
C'est encore la définition famille, je crois. Et puis, je suis venue décorer légèrement pour, voilà, pour positionner où j'avais envie un feuillage, du fil et puis un tampon souvenir qui fait partie de cette planche best-of. À droite, des étiquettes prédécoupées dans le papier. Encore un des cœurs du set étiquettes. Et puis ici, un de mes motifs chouchous de la collection. Le voilà. J'ai utilisé de la Versafine grise et noire tout au long de l'album également. À droite, donc un des papiers, celui-ci, une bande, une des fleurs encore découpées dans cette crante imprimée, une étiquette, des dots. Ici à droite, on a le set, donc deux sets de tampons principalement. Les 7 échantillons et best-of. Alors, j'ai utilisé le cadre carré, le cadre rectangulaire que j'ai posé en format portrait. Ici, j'ai mis des petites formes d'échantillons, un peu en quinconce, avec le Love This, du papier, du fil, une agrafe, un des papiers du kit, étiquette. Ici aussi, vous reconnaîtrez les petites étiquettes du papier, et puis j'ai mis un petit bouton en forme de cœur. Les doubles pages suivantes. Alors ici, un des papiers à rayures, du kit, une des étiquettes, les tampons, les petites plumes, ici, du set Amour XXL, un petit texte tapé à la machine à écrire. Ici, mon autre grand coup de cœur de la collection, il s'agit de cette matrice de coupe enveloppe numéro 2, assez grande. Donc ici, découpée dans un des papiers imprimés du kit, vous avez encore une fleur tamponnée cette fois-ci d'un des sets précédents. Toujours un peu de, voilà, une touche de flocons dorés, une photo, feuillage, du fil et puis des petites étiquettes. Des taches d'encre de Chine également. Ici, un motif, donc une autre matrice du kit Bulle d'amour que j'ai découpé dans du craft. J'ai associé l'appareil photo ici de la planche Best of. Voilà. Très bel appareil photo. Best of, donc, vient du même set de tampons. J'ai associé une étiquette, un die fanion, un dot, et puis une des étiquettes encore du kit. À droite, j'ai fait une petite mise en scène avec un tampon de fond écriture, et puis donc une des étiquettes du kit et le cintre, le joli cintre de la planche This Is Us. Des étiquettes également, c'était un seul morceau, j'ai découpé en trois, et puis une esperluette. Du même set. À gauche, toujours cette matrice enveloppe numéro 2 que j'ai cette fois-ci coupée dans du Bristol blanc. J'y ai associé petit tag, étiquette, également un tamponnage love et puis un tampon album de famille. Toujours les petites dots jaunes et des petites taches de noir d'encre de Chine. À droite, cette magnifique machine à écrire du set Amour XXL auquel j'ai associé le tampon ce jour-là qui fait partie de ce set grande étiquette. Une des fleurs découpées dans ce papier. Voilà, ici. Non, celle du bas. Ouais, celle du bas. Ici, une page déco. Donc, toujours la pince du premier set que je vous ai montré, Bonheur à conserver, ici, associée à ce bouquet tamponné en gris. Une étiquette, celle-ci, tamponnée en jaune. Un dot en forme de cœur, j'ai trouvé la pince et j'y ai associé encore une fois, pardon, une des étiquettes ici.
cette fois à pied. À droite, un petit assemblage avec donc toujours cet onglet. Le tampon des 6S fait partie de cette planche ici. Et puis encore un feuillage. Excusez-moi. On termine par cette double page. Donc une série de deux étiquettes à couper dans le grand papier. Là, vous reconnaîtrez un des médaillons évidé. Très très joli effet. Un petit peu de ficelle. Ma photo est en 3D. Un dot, une étiquette, une agrafe. Et puis à droite, le magnifique die ensemble du set Une belle histoire. Vous reconnaîtrez ici le troisième tampon échantillon que je n'avais pas encore utilisé. Il est ici et je l'ai tamponné avec le xo de cette planche grande étiquette. Voilà, écoutez, j'espère que ce mini vous a plu. Je pense que oui, j'ai eu des gentils messages privés ou publics suite à ma publication aujourd'hui. Je vous remercie. Merci à Magali de m'offrir cette chance d'utiliser tes belles collections. Merci à vous pour votre fidélité, vos petits mots, vos passages ici, même discrets, mais si vous aimez, un petit pouce en l'air. Merci, à bientôt. Au revoir.